Yo, bienvenue dans les délits d'Iris Pinel. Putain, ça fait longtemps. On est lundi 18 septembre. Et j'ai cours, il est 6h31, j'ai pas envie. J'ai pas fait mon lit. J'ai pas envie. Allez. J'ai pas de lumière. Bon. Du coup, moi je suis en cours de droit. Enfin, je suis en L3 de droit. Non mais, ce plan est foireux. Là, ça ferait pas un petit peu. Voilà, sans le lire, c'est mieux. 9 minutes pour ressembler à ce que je ressemblais en me levant. Peut-être un peu beaucoup. Dans l'idéal, je devrais partir dans 2 minutes. Mes cheveux sont pas faits. Je suis pas habillée. Et mon sac est pas fini. Super. Let's go! Je suis en retard! Ça va être gênant de vlogger ici, puisque bah du coup je suis arrivée à la fac. Je suis garée hyper proche, je suis trop contente. Je sais pas où est mon dernier cours de la journée, mais. Ah bah non, je suis bête, je vais à la BU après les cours. Bon bah c'est bon, parce que je suis côté BU. Tout va bien. Je suis heureuse. Bon, de toute façon, je pense pas que je vais vous emmener avec moi. Enfin. Peut-être que je vous filmerai des trucs, mais je sais pas s'il y a grand chose à filmer. Surtout que je peux pas filmer dans l'amphi, puisque ce que nous dit le prof, c'est de la propriété intellectuelle. Donc je n'ai pas le droit de le divulguer sans son accord, évidemment. Chandro, on est très sérieux là-dessus. Et par contre, vraiment, droit des contrats à 8h un lundi matin. Ceux qui ont fait l'emploi du temps, ils se sont tapés une grosse barre sur notre santé mentale. Non pas que le cours soit pas bien, moi je trouve ça intéressant et tout, enfin, de toute façon tous mes cours je les trouve intéressants cette année, c'est juste que ce prof là, enfin déjà c'est une matière très technique, ensuite ce prof là est particulièrement technique, il va vite et tout, et voilà, enfin je sais pas, je... Allez, c'est parti. Putain. Bon, à la base, je voulais aller travailler à la BU, mais vas-y, j'ai grave la flemme. Je préfère rentrer chez moi et travailler bien, tranquille, dans ma chambre. Et mais du coup, voilà, là, alors, j'avais droit des libertés fonda qui se terminait à 11h15. Là, il est 11h45 quasiment, parce que bah, avec ma copine, on a croisé notre copine qui est dans une autre filière et on a papoté. Je suis rentrée et j'ai enfilé un jogging déjà. Déjà, c'est bien mieux. Par contre, aucune idée de où est ma maman, parce que la porte d'entrée était fermée à clé, mais il y a ses clés à l'intérieur, et tout le reste est ouvert, je comprends pas. Maman ! Trouvé ! Salut maman ! Salut maman, t'es déjà là ? Mais oui, je finissais à 11h30. Ah, mais je savais pas ? Bah, surprise ! Il est... Merde, j'ai pas regardé l'heure. Il est quasiment 2h de l'après-midi, 14h. Du coup, j'ai mangé, je me suis un peu reposée. Puis ben on va travailler, hein. Le TD va pas se faire tout seul. Donc là j'arrive à me motiver, je suis en train, c'est un process dans ma tête. Je vais m'installer à mon bureau et on va commencer le TD de droit du travail. Bon, mon premier TD en droit du travail, c'est vraiment de la méthodologie et des choses à lire, parce qu'en fait en droit, il y a trois exercices principaux, le commentaire d'arrêt, la dissertation et le cas pratique. Et je vais me mettre un peu de piano dans les oreilles parce que j'adore écouter ça quand je travaille. J'envisageais d'aller faire un footing cet après-midi, mais on voit pas. Je raconte pas les éléments, moi. Je suis pas un héros de la mythologie grecque ou je sais pas quoi. J'affronte déjà mon TD. Ok, non, j'ai que ça de prévu aujourd'hui, mais si je peux m'avancer en faisant d'autres choses, ça peut être pas mal aussi. Faut que je vous montre parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un ami à moi, un de mes plus proches amis, et son cadeau est dans ce sac. Mon ami est dans un autre pays.
autre pays. Donc, vous comprenez facilement que jamais il ne reçoit son cadeau aujourd'hui. De toute façon, son cadeau n'est pas fini, j'ai pas son adresse, donc faut que j'envoie un message à son papa. En fait, si, j'ai des choses à faire aujourd'hui, mais pas en lien avec les cours. Donc, je vais aller manger. Après, je sais pas, je pense que je vais continuer le un cadeau que j'ai, ou faire un bracelet, je sais pas, faire autre chose que des cours. Même comme ça, on voit pas. Non, mais c'est le déluge. Un truc que j'adore avec le fait d'être à la maison pendant les jours de semaine, c'est que je peux ne rien faire pendant que ma maman travaille. Ce qui est bien avec le fait de faire un vlog d'une journée, enfin un daily diaries, c'est que je découvre plein de nouveaux endroits où poser mon téléphone, où j'aurais pas nécessairement pensé. Et juste je me dis, tiens, pour le prochain plan, je m'assois dans mon lit et je pose la caméra. Ou après, je devrais pas souvent faire des vidéos dans mon lit quand même. Il me reste pas grand chose, il me reste une centaine de pages. Bon, j'en ai lu et lu des phrases un peu cheesy, un peu, comment dire, des phrases de drague où je sais pas ce qui est passé dans la tête de l'auteur ou de l'autrice en mode ah, c'est romantique, c'est sexy, non. J'en ai lu, mais alors, celle-là, vraiment, bah c'est le fait de, que ce soit un méchant et qu'il soit amoureux de toi hein, pour avoir des. Je sais plus parler. Pour pas spoil, c'est le méchant qui en kiffe sur le personnage principal, on va dire ça. Et il lui lâche. Soraya, la seule chose qui pourrait te rendre plus belle à mes yeux serait de te voir couverte du sang de ce jeune homme. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Je suis finalement ressortie de chez moi parce que, en gros, cet après-midi, enfin dans ce midi, j'ai parlé avec ma mère que je voulais trop des pâtes carbo. Elle m'avait dit qu'elle n'en avait pas du tout prévu cette semaine, mais j'étais grave surprise. J'étais en mode, mais pourquoi? Et elle m'a dit, bah, si tu vas acheter de quoi en faire, ce soir on peut changer le plat prévu qui était genre des légumes avec du jambon par des pâtes carbo. Du coup, je lui ai dit, bah ouais, carrément, je vais aller en acheter et tout. Et j'ai totalement zappé. Du coup, il est 18h. Attendez, hop là. Il est 18h20 et je viens tout juste de me rappeler. Donc là. Je suis au supermarché, on va acheter très rapidement ça. Je me suis même pas changée, je suis toujours en bas de pyjama, enfin en jogging et voilà mes cheveux. Bon, faut pas que je croise quelqu'un que je connais, c'est parti. Ok, les courses sont faites. Bon, je savais pas exactement quelle quantité prendre, parce que le problème c'est que dans mon groupe d'amis, bon bah, on est que des gloutons, on est que des gros mangeurs et du coup, bah, forcément, on achète 40 000 trucs. Donc j'ai pris 500 g de spaghettis et 400 g de lardons, sachant qu'on est 4. Je pense que c'est bon. Oh, je sais pas si j'ai pris assez de lardons quand même. Bon, au final j'ai eu mes pâtes carbo. J'ai pas fait grand chose de ma soirée, enfin genre j'ai un peu avancé sur un cours. Et j'ai commencé à utiliser, enfin à préparer un fichier sur Notion pour mes prochains livres. Mais en soi, enfin, rien de très intéressant à vous montrer. Et là il est... Attendez, je prenne l'habitude de regarder l'heure. Il est 22h15, je vais... Pourquoi il y a un chat qui miaule? Je vais aller me coucher, ou alors peut-être travailler un peu sur mes livres, je sais pas. Mais voilà, je vais pas tarder à me coucher, donc je vais arrêter le vlog ici. Merci d'avoir regardé, et puis bah, à la prochaine.